Je suis tailleur de pierre, je travaille actuellement pour le Centre d'études Alexandrine dans le cadre du projet de conservation et de mise en valeur de la citerne Al-Nabi pour une ouverture future au public. Mon rôle sera de conduire les travaux de conservation de cette citerne. En ce moment, on est en train de faire les relevés architecturaux de ce bâtiment pour avoir une représentation de son état actuel avant de commencer les travaux. Je fais partie de l'association de compagnons passants tailleurs de pierre. Et pour être reçu compagnon, je dois réaliser à la fin de mon tour de France un chef-d'œuvre. J'ai choisi de réaliser une pièce d'architecture islamique, un mihrab. Ça fait 6 mois maintenant que j'ai commencé le travail de recherche et de conception. Je pense qu'il faudra 1000 heures environ pour la taille et la pose, c'est-à-dire 6 à 7 mois de travail. Le mihrab, c'est la niche orientée vers la Mecque que l'on trouve dans le mur qui bat une mosquée. Les mihrabs sont la plupart du temps en marbre et en granit, en marqueterie de marbre plus exactement. Le mihrab que je vais réaliser est une création qui s'inspire de divers éléments architecturaux. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'avoir un défi technique pour pouvoir prouver mes compétences aux compagnons. C'est pour ça que mon travail est un mélange de plusieurs styles provenant de bâtiments différents et d'époques différentes, comprenant chacun leur lot de difficultés. Une des grosses difficultés, par exemple, a été de retrouver les tracés régulateurs et la stéréotomie des moukarnasses qui m'ont inspiré. La stéréotomie, c'est la science de la coupe des pierres et des bois dans l'industrie du bâtiment. Avant la taille proprement dite, il me faut d'abord concevoir et dessiner chaque bloc. J'effectue ce travail sur ordinateur, cela me permet d'imprimer les panneaux de taille dont j'aurai besoin pour la réalisation du mihrab. Ça me permet également d'établir la feuille de débit pour pouvoir commander les pierres à la carrière. L'idée de réaliser un mihrab comme travail de réception m'est venue lors de ma première année en Égypte. À l'époque, je travaillais sur le temple de Karnak et j'ai eu du coup l'occasion à plusieurs reprises de me rendre au Caire et d'y passer pas mal de temps. C'est à la suite de mes différentes balades dans cette ville que je suis tombé amoureux de son architecture islamique. Le fait de réaliser une pièce d'art islamique est quelque chose d'original par rapport à ce qui est choisi habituellement comme travail de réception. Habituellement, les sujets tournent autour de l'art gothique ou de l'art roman. La pierre que j'ai choisie, c'est la hachmi. C'est une pierre que l'on trouve au sud du Caire, dans les carrières de Shah el-Taban. C'est la pierre qui a été utilisée principalement dans les constructions religieuses et bourgeoises du Caire moyenâgeux. Les qualités de cette pierre, c'est qu'on peut la trouver dans une palette de couleurs qui va du beige au rouge litevin. Elle n'est pas évidente à tailler parce que c'est une pierre très hétérogène avec beaucoup de bousiers, c'est-à-dire des cavités naturelles, et beaucoup de chenards, de tout petits morceaux de silex. J'ai acheté les pierres débitées de manière à dégrossir le travail en atelier. Je pense également faire tourner les colonnes. De cette manière-là, je devrais gagner pas mal de temps. J'ai eu un peu de mal à trouver un endroit convenable pour travailler, puis finalement j'ai trouvé un atelier du centre-ville dans un village d'artistes aménagé dans d'anciens abattoirs.
Oui, il est extrêmement difficile de trouver de bons outils en Égypte pour la taille de la pierre. Du coup, j'ai dû en forger la plupart, comme les ciseaux, les pinces de pose, la chaouta, le titane. J'ai forgé mes outils sur le site de Fouad à Alexandrie avec un autre compagnon tailleur de pierre qui vit au Caire depuis 7 ans maintenant. Le tétu me sert à dégrossir mon caillou, à enlever beaucoup de matière à la fois. Mais la chaouta me permet d'affiner le dégrossi ainsi que de dresser des faces. La gradine est encore un outil qui me permet de dégrossir, mais ce coup-ci de manière beaucoup plus précise. La pince de pose, c'est un levier qui me permet de manipuler aisément mes blocs. Historiquement, le compagnonnage daterait de la fin du XIIe siècle. Maintenant, la légende voudrait que le compagnonnage soit né sur le chantier de la construction du temple du roi à Jérusalem. Au cours de notre tour de France, on change chaque année d'endroit pour acquérir des connaissances différentes en fonction des matériaux et des lieux où l'on se trouve. Ces connaissances nous sont transmises par des compagnons ou des aspirants plus expérimentés et nous, à notre tour, après, nous les retransmettons aux plus jeunes. J'ai commencé mon tour de France à l'âge de 20 ans à Nîmes, où j'étais apprenti pendant 2 ans dans une entreprise où l'on faisait de la restauration de cheminées et de masses provençaux. Puis après, je suis parti 1 an en Belgique, à Huy, une petite ville au sud de Liège, où j'ai travaillé sur la restauration de la collégiale. À la suite de ça, j'ai passé 1 année en Irlande à travailler essentiellement en atelier et à faire de la sculpture. Là-dessus, je suis parti 2 ans en Égypte, sur le site du temple de Karnak, où j'ai conduit les travaux de reconstruction de la cour des fêtes de Thoutmôsis IV. Après ça, je suis rentré en France 6 mois, et là j'ai eu un poste de chef de chantier sur la restauration du bosquet des Trois Fontaines, dans le château de Versailles. Et puis me voilà ici, à Alexandrie, 7 ans après le début de mon tour de France, où je travaille maintenant pour le centre d'études alexandrines. Quand j'ai commencé mon travail, j'avais embauché 2 Égyptiens pour m'aider à décharger le camion de pierre et ils ont été très intrigués par ce que je voulais faire. Du coup, je leur ai expliqué et ils m'ont proposé très gentiment de m'aider si en échange, je leur apprenais quelques ficelles du métier. Habituellement, le travail de réception est suivi d'une correction. C'est-à-dire que les anciens compagnons, les compagnons qui sont reçus déjà depuis quelques années, viennent pour estimer la qualité du travail. Comme ce travail de réception, lui, je le réalise ici en Égypte, les choses vont se passer sans doute de manière un peu différente. J'enverrai des photos du chantier et de la pièce finie, et c'est à partir de ces photos que les compagnons estimeront la qualité de mon travail. Comme les travaux de réception ne peuvent pas être à but lucratif,
J'en ferai don à l'association d'artistes qui m'a si gentiment accueilli dans ses locaux, l'association L'Atelier, et je le montrerai dans la cour qui se trouve autour des ateliers d'artistes. Pour inaugurer le travail, il est prévu que le premier vendredi du mois, les artistes de l'association se retrouvent pour prier devant le Mirab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya 'ala s-salah, Hayya 'ala al-falah.